Je vais t'en foutre du feu d'artifice, moi. Justement, c'est bien écrit artifice. De ce qu'on appelle la précarité énergétique. La bonne femme, elle a deux gosses, 275 euros par mois, parce qu'ils n'ont pas de sous pour retaper la baraque. Et lui subissent de plein fouet la bise hivernale du Jura. Le matin, quand on se lève, souvent... Ah, vivement qu'on change d'air et d'air. C'est demain. Il fait 12 degrés, 13. Le ciel, mon mardi. Ce retraité de 72 ans. On repart à l'an 0. 0-1, 0-1. 0-0-1. 0-0-0-1. Jean-Jacques Bonnat, désigné préféré des Français. Eh. Oh. Il suffira d'un signe ou d'un lapin. Constat confirmé par ce rapport des assistants sociaux pour la maîtrise de l'énergie. Porte d'entrée. C'est une condition de chaleur, le froid qui rentre. Pas préférer les Français, c'est préférer les Mongols, la plupart. Remplacer cette porte, Michel n'en a pas les moyens. Et il est locataire, c'est à son bailleur de s'en charger. Et jusque-là, il n'a eu que des promesses. Ça chez lui, il ne veut rien faire, il ne faut rien. On a beau... les portes, ils devaient les changer, ils sont venus les voir, oui, on va le faire, puis... Ouais. Ça n'empêche pas que c'est le meilleur dimanche du monde. Ce sera le meilleur lundi du monde et ce sera le meilleur mardi du monde. Réveil de la subconscience. Tout ça, anesthésié. Anesthésie générale. Tic-tic-tic-tic-tic. Patron, c'est ma tournée. En fait, les gilets jaunes, c'est les humains. C'est ceux qui ne sont pas encore numérisés. Ils ne sont pas vraiment formatés du bocal. Pour rappeler un petit peu ce qui se passe. Les autres, ça y est, c'est des robots. Un poil bois par rapport à votre chauffage électrique. Elle est où l'humanité ? Un système bien plus économe que les radiateurs électriques, pourtant récents. Ton, 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 ton. Le granulé de bois, en enceinte, et par rapport à l'électricité, ou voire même. Dark Vador, s'il te plaît. Et au gaz de réseau, gaz propane. Mais c'est 4 fois plus cher. Faire un oxymore suprême. Paradoxe du contraire de l'inverse. Chaque euro compte. Des protocoles. Hein, c'est ça que j'aurais dû marquer. Non, je ne suis pas un protocole. Comme, non, je ne suis pas un numéro, le prisonnier. Quoi. Ça veut dire ça. Si, si, t'es un numéro de sécu, t'es un numéro de CAF, t'es un numéro d'allocataire. Les Restos du Cœur font le plein pour leur campagne d'hiver. Tu m'étonnes. Des hommes et des femmes qui n'arrivent plus à remplir leur frigo. Ils sont près d'un million de bénéficiaires au niveau national. C'est le cas de Patricia Monard, 57 ans. Comme chaque mardi, elle vient récupérer de quoi se nourrir. Bonjour. Ça va. Oui. Tous les, comme ça, voilà. Fermez bien pour pas qu'ils sautent. Merci. Moi je prends les périmés en bas à l'épicerie, mais quand même, sinon je pourrais pas vous faire. Avec 10 euros par semaine, tu fais quoi ? Des poivrins. Une fois que tu achètes le tabac, pendant 3 jours tu fumes, puis après tu ramasses des mégots par terre. Elle a commencé à pousser les portes des Restos du Cœur il y a 14 ans. Il y a quand même des humains. Pourquoi il n'est pas canonisé, Coluche, le dernier prophète non reconnu avant moi ? Faut arrêter aussi ça. Parce qu'il disait la vérité. Mais le problème, c'est que ils m'ont fait le coup du camion en Coluche aussi. À cause d'un putain de portable de merde. Une histoire d'espace-temps, ça. Quand t'es chevalier galactique temporel, t'en as rien à branler. Le bon Dieu est plus fort que le diable. Putain, merde, il peut me tirer dessus, je m'en fous que je sois mort deux fois. Mon esprit restera toujours gravé, même par terre. Tu vois ?